Bien, salut tout le monde, bienvenue ce soir pour notre nouveau stream sur Resident Evil 4 Remake. Ce soir, on va redémarrer la campagne. Je me suis aperçu qu'il manquait 10 minutes, alors je sais pas pourquoi. Donc j'ai baissé un petit peu les paramètres, j'ai tout mis en 30 FPS. J'espère que normalement ça devrait passer, hein, le 60. Hein. C'est pour moi superflu, après c'est mon avis personnel. Et je me demande si c'est pas à cause de ça que j'avais des ralentissements à un moment dans le chapitre 2 avec la cinématique. Donc là, on va relancer la campagne hein, tranquillement. Donc salut tout le monde, bienvenue sur Resident Evil 4 Remake. Ce soir on va démarrer notre reboot de l'histoire avec Léon Scott Kennedy en Espagne qui va faire des claquettes ou du flamenco, j'en sais rien. Bref, on est parti. Donc ce sera en mode standard. Donc hardcore on verra plus tard. Et après les autres modes de difficulté aussi. Je laisse les cinématiques, bien sûr. Ok. Ah bah ça commence bien. 30 septembre 1998. Une date gravée à jamais. Le flic en moi est mort ce jour-là. Cette nuit-là, Raccoon City a été détruite à cause des armes biologiques créées par Umbrella. J'ai réussi à m'en sortir, mais beaucoup d'autres n'ont pas eu cette chance. Ensuite, on m'a demandé de rejoindre un programme gouvernemental top secret. C'est pas comme si j'avais eu le choix. L'entraînement, les missions éprouvantes ont presque ma peau. Mais au moins, ça m'a permis de penser à autre chose. Si seulement je pouvais oublier cette nuit-là, la douleur, ne serait-ce qu'une seconde. Cette fois, ce sera différent. Il le faut. Alors, Yankee, qu'est-ce qui t'amène dans un endroit pareil? Tu sais, c'est le trou du cul du monde ici. Disons que je cherche quelqu'un. Ça doit être quelqu'un de très important, hein? Les ordres viennent du chef en personne. Aidez-le, il a dit. J'ai bien compris que vous n'aviez pas fait tout ce chemin pour faire un barbecue. Je me trompe? T'as un drôle de sens de l'humour, toi. Je vais te confier un petit secret. Et ça reste entre nous. Il y a pas mal de disparitions dans le coin. Et ça fait un bon moment que ça dure. Ben alors, j'imagine que pour vous, ça devrait être la routine, non? Pas plus tard que la semaine dernière, on a dû rechercher des randonneurs. Je suis certain que vous ferez tout ce qu'il faut pour m'aider. La manette vibre beaucoup déjà. On n'a même pas commencé. Bon, je crois qu'on y est. Besoin naturel. Je reviens tout de suite. Quel frio! Tu as bebido el bar entero? Cigarette? Vaya sitio más tétrico. ¿Hay alguien ahí? No.
Ok, bon. Il part tout seul. Eh ben dis donc, il en met du temps. Il est tombé ou quoi? Eh, dis-moi, ça te dérangerait pas d'aller voir ce qu'il fait? Je reste dans la voiture. Ce serait dommage de prendre une amende. Putain, tu pars d'une aide. Bon, c'est le premier chapitre, on démarre tranquillement. Donc là, on va essayer de trouver le policier, on peut aller là ou là, on va faire le tour. Mais où est-ce qu'il est passé? Ok. Bon bah, ce cerf a eu les tripes à l'air littéralement. On voit pas grand-chose hein, le début, c'est voulu. Je me souviens pas qu'il y ait quelque chose ici, on va vérifier quand même. Rien du tout. Et rien du tout, ok. Il y a quelqu'un? Alors, c'est quoi ça? C'est Akera El Rusio. Le jugement approche, amulette grossière, ok. Ouais, donc là, il y a une porte, je pense qu'on peut pas l'ouvrir. Salut Morphès, j'espère que tu vas bien. Tu vas pas te faire pétrifier, c'est déjà le plus important. Merci, Morph. Je te dis à plus tard du coup. Oulala, ça va dégénérer ici. Clé de la cave. C'est la merde. Merde. Bah. C'est quoi, c'est un lapin ça ou un ragondin, j'en sais rien. Alors, police nationale, Mario Fernandez Castagne ou agent de police. Ils ont vraiment bien fait le truc là, je trouve. Attention, des pièges à ours dans le coin. Ok. Évidemment, j'ai que 10 balles. Bon, pour avoir fait les deux premières heures du remake hein, dans mon premier try,
je pense qu'à l'heure actuelle, c'est le remake le plus abouti de des Resident Evil. Alors là, il y a un Maccabé là, ou un cas, je sais pas quoi. Oh, un nonos. Ça, c'est quoi? C'est un. Non, c'est pas un humain, ça va. Oh, il a mangé. J'écoute. Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi ce bordel? C'était quoi? Ok, tu peux pas t'accrocher. Il m'a fait peur. Bon, ça va. Ok, on les voit d'un peu le trou du mur. Une herbe verte, ça fait plaisir. J'essaie d'être un petit peu discret. Ashley Graham. Alors, fais du boucan, Kaiser. Okay, un peu, je vois pourquoi tes amis sont pas contents. Du nouveau ? La fille du président, Eglon. Elle est sûrement dans ce village. Nos infos étaient correctes. Bon boulot. Il me faut l'itinéraire vers un lac. On l'a peut-être emmené là-bas. Compris. Je vais voir ce que je peux trouver. Dépêche-toi. Quelque chose est arrivé aux gens d'ici. Mon escorte. Je te rappelle. Voilà, seigneur. Comment est-ce? Ok, je me casse. Il n'y a pas 36 solutions, faut avancer. Un peu ce qui va me surprendre dans ce remake, c'est le premier village que tu tues qui devient un truc à parasite. Ah. Munition de pistolet. De la poudre. Et en fait, je viens de faire une connerie en rechargeant.
J'ai récupéré mes armes bonus. Fréquence du bonus de création de munitions pistolet plus 30%. Et je vais aussi embarquer le Skull Crusher. Et on va enregistrer, donc hop. Bon, on va déjà essayer de finir avec le pistolet. J'espère que ça lag pas. J'ai descendu à 30 fps. Normalement non. Il y a du purin. Oh le toutou. Pauvre toutou. Rest in peace. Munition de pistole. J'aime bien, tu vois la différence qu'il a un pistolet là et t'as le deuxième pistolet qui a à son ceinturon. Donc il y en a un là. Vite. Wow. Il peut pas passer, c'est ça? Bon, ça va. Ouais, ça va. On sait un peu de pesetas pour démarrer, c'est toujours utile. Aïe. Maudit piège. Bordel. Wow. On va récupérer les balles. Une grenade à volante, on va la garder. On a fait le tour, il n'y a rien d'autre. Il y a un bout de chair qui est tombé, bon bref. Allez. Oh putain. Ah bah là, il s'est fait griller, hein.
Oh, vous êtes nombreux ici. Il y a une herbe verte là, je vais l'embarquer. Je vais retenter le coup de la fufu là. De la poudre, c'est toujours ça de prix. Et 100 PC tasse avec. Il me faudra une clé ici, ok. Oh putain de merde, je suis gaulé. Oh, bonjour. Pourquoi t'as décidé de m'emmerder? Allez, go go go. Il est de retour, lui. Il m'a pas manqué, Docteur Salvador. Comment est-ce, Seigneur? Ok, première chose, on va vite. Hop, ici. Du pognon, c'est pas ce que je voulais, mais soit. Des balles de pistolet. Parfait. Ça, c'est cool. Tu m'étonnes. Cartouche de pompe, prends. Alors, on va prendre le Skull Crusher pour démarrer. Ah, putain, foiré. Ah ouf. Bien joué ça. Oh là là. Là c'est, j'arrive à peine, je me fais déjà aggro quoi. Mais c'est pas possible, je peux vider ? Ah ouais, vous êtes chaud patate là. Bon ça va, il tue ses potes, ça m'arrange. Vous enchaînez quoi, ok. Oh. Oh, vite. Oh, c'est chaud là. Attention. Vite.
Ah, bien joué ça, enfoiré. Putain, vous avez décidé de me faire chier. Un petit cadeau. Non, sérieux ? Ah, on l'a eu. Le succès pour nous discuter votre pénible suivant le chapitre. Je crois, je serais pas étonné, tu me diras. Ah, il y a un œuf là, je prends. Vas-y. Dégage de là. Je peux plus briser, mais bon. Ça empêche un mob de se faire. Ah. Ah, je l'aurais pas, tant pis. J'aurais pu le shooter. Bon, je suis content, on a chopé ça, Valdor. Hasta luego, hein. Où est-ce qu'ils vont tous? Il y a une fête. C'est ça. Ah, il y en a qui s'est fait griller, la preuve c'était la fête. Resident Evil 4. Resident Evil 4. Ouais. Ah, ils t'ont pas raté, mon chemin, Léon. Perchoir à Condor 1. J'ai un accès au lac. Cherche un grand moulin avant. Il y a un chemin de l'autre côté. Un moulin. C'est noté. Sois prudent. Terminé. On avait tout récupéré, on va vite choper tout ce qu'il y a dans le village. Et cette as. 200 de plus. Un bleu velours, maintenant ça apparaît plus tôt, ce qui n'est pas un mauvais bail en soi, tu me diras. On va essayer de bien farfouiller si on n'a pas oublié des choses. En principe, donc là-bas on peut pas y aller. Ah, un autre œuf, ça je dis pas non, tu vois. Ouais, donc ça c'est confirmé. Donc là il nous faudra une clé pour... Oh là, comment est-ce là, Seigneur? Et 10 balles de pistolet, je prends. Bah alors, on évite la fête? Bah bravo. Donc là, il n'y a plus rien. Donc là, ils ont changé la petite maison, d'accord. Hop. Pistolet supplémentaire, je dis oui. Une autre caisse. Pesetas toujours, ça c'est toujours bien des thunes. Une herbe rouge. Ça aura son utilité le moment voulu. Là, il n'y a plus rien.
Alors, qu'est-ce que c'est ici? Un collier orné, premier trésor du jeu. Voilà, hop, on a un petit soin sup complémentaire ici. Alors, la baraque, on ne l'avait pas faite, je crois, si mes souvenirs sont exacts. Des balles de pistolet, on continue la récolte. Une grenade, c'est toujours utile. Ensuite, là, c'est fait. Par là, on nous y sommes allés, c'est bon. Le clocher de l'église. Bon, ça c'est pour, en gros, c'est pour nous faire comprendre, bah maintenant, vous pouvez plus vous planquer en haut. Voilà. Pesetas supplémentaire. Ah, déjà, on va tout de suite sortir avec l'émeraude qu'on nous avons eu grâce à Salvador. Oh, ça va nous faire un bon prix, ça. Ouais. Mais bon, on va attendre de le compléter, bien sûr. Hein. On va essayer d'être cohérent. Là, il n'y a rien. Un rubis. Ok. Voilà. Deuxième pierre hein, en peu de temps. Le collier va valoir cher hein, si on trouve 4 pierres différentes. Et ça nous aidera bien à démarrer cette aventure, j'ai envie de vous dire. Mission de pistolet. Et ouais, on est pas mal là. Allez, en route vers la prochaine zone. Bon, je reprends mon petit pistolet. Alors. Est-ce la merde? Donc voilà le moulin dont nous parlait Onigan. Ok. Pognon. Et là, j'imagine bien Momon, là, si t'es encore là, en train de dire ah, combien de fois il va mourir aujourd'hui. Hop, on en a eu un à distance. Au moins, on est sûr. Coucou, vous. On en a eu. On les a eu tous les deux. J'ai vu un médaillon bleu. Hein. Je ne t'ai pas oublié, petit. Et de 1. Et de 2. Alors, il est où l'autre couillon qu'on a tué? Là. Et le 3. Il me reste une balle là. Juste attendre que le. Ouais, joli donc. Au moins ce collier à perles ne finira pas dans le purin. On en a eu 3. Il en reste encore 2 à trouver. Attention les vaches. N'énervez pas la vache. Encore des balles de pistolet, je prends.
Un œuf de poule classique, je prends également. On a pas mal de soins pour démarrer, ça c'est cool. Il y en a un là de médaillon. Ça fait 4. Alors, pour l'amour du ciel, quelqu'un peut-il nous débarrasser de ces des médaillons bleus que ces fanatiques ont accrochés partout? Détruire tous les médaillons bleus dans la ferme. 3 spins en récompense, on a 4 sur 5. Le dernier, il est là-bas. Ok. Oula, j'ai un bruit que j'aime pas du tout. Ah, une herbe verte, une herbe jaune, ça je prends. Tôt ou tard, ça aura son utilité. Ouais, non, là on est pas mal, franchement. Donc là, il nous faut trouver un engrenage. Alors, est-ce qu'il y a quelque chose là? Là, non. De la petite ferraille. Bon, on a pas mal de munitions de pistolet. Par contre... Ah, on a réussi à crafter des munitions de pompe en plus. J'aime bien le Skull Crusher au niveau du style. Un pichet. Oh oh. Un peu de poudre des pesetas supplémentaires. Alors, qu'est-ce qu'on pouvait sortir encore? Parfait. Un couteau de cuisine, ça peut toujours être utile. Une roue dentée en bois, je crois que c'était notre objet. Oh là! GG. Oh! Oh là, seigneur! Je peux le dire. Balles. Ah bien joué, ça j'avais pas vu dans mon dos. On a eu un peu d'or supplémentaire. Recule, recule. Oh, joli. Oula, oula, toi. Oh non, oh non. Ok, on les a eu, c'est bien. Alors, on trouve juste le dernier médaillon qui me manque, qui était là. Parfait. Voilà, ici, au moins, on pourra faire le tour le moment venu. Un petit peu de pesetas. On a 10 000 de pesetas, c'est plutôt cool.
Balle de pistolet, tu dis, tu craches pas dessus. Balle de pistolet, tu craches pas dessus. Bon, on n'a rien oublié. Let's go. Bon, bah on y va. Hein. Non, c'est pas le bon côté. Voilà, bon, j'ai l'expérience un peu du début, mais je cherche un tout petit peu mieux. Bon, je peux encore améliorer ça, mais ça viendra avec le temps. Pistolet. De toute façon, je sais déjà quel pistolet je vais prendre pour la run à terme. Si ceux qui ont suivi la run de professionnel sur l'ancien Resident Evil, vous en souviendrez. Bon, écoute, hein, toutes ces pesetas. Bon, j'ai loupé une arme verte, mais je reviendrai plus tard, tant pis. Niveau soins, je suis bien. Deux œufs, une herbe verte et un soin complet. Ah merde, c'est pas le bon pistolet que j'ai. Ah putain de merde, je me suis encore planté. Bon, on va les utiliser. Ouais. Allez Léon, au boulot. Attention. Oh. Eu tous les deux, ça c'est cool. Bah, je l'ai visé, hein. Bon, bref. Bien. Alors ici, on va faire attention. On a récupéré pas mal de fer et ça c'est bien. Aïe, ah ok, bien joué ça. Vite. Non, ça c'est abusé par ton tas. Tu tues l'autre et l'autre il t'enchaîne derrière. Ouais. Ah, et voilà. Là, c'est la totale.
Allez. Pas mal du tout ça. On va reculer sagement. Bien. Waouh. Wow. Là, c'est la fête, hein. Je crois que je vais pas trop prendre de risques. Là, je vais me refaire un soin complet. Elle est où la garce? Bon, une herbe rouge, tu prends. Ouais, dans le tempo, Kaiser. Ouais, bon, après, le temps que tu chantes. Ah bah, toi, t'es là. Une. Deux. Ah, un suplex, ça c'est bien. Ne dis pas que t'es. Une autre herbe verte, ça je prends. Un soin complet, je dis oui. T'es là-bas, je te vois. Parfait. 4. Oh non. Il s'est transformé, c'est ça? Non. Ah, te voilà. Salut toi. PC-tas de plus. Alors, il me semble que... Alors, j'essaie de me rappeler, mais il y a un trésor dans le coin. Il est là. Un saphir, très intéressant. Bah, écoute, hein, on va le sortir tout de suite pour avoir le pichet complet. 12 100, c'est pas dégueulasse. Et ici, il faudra qu'on revienne apparemment avec une clé. Ouais, ok. Ok, il faudra revenir ici avec une clé à un moment donné. Une caisse. Des mines de pistole, ça tu dis pas non. Y a un truc là à aller chercher aussi. D'accord. D'accord, d'accord, d'accord. J'ai rien oublié d'autre, non. Déjà, on va récupérer tout ce qui est possible. La ferraille. Mine de pistole, ça c'est toujours un plaisir, ouais. On va le revendre, hein, je pense, et le pistolet de base aussi. On va revenir ici avec une petite clé. Parfait.
Encore de la ferraille, finesse. La ferraille qu'on collecte, c'est un truc de dingue. Ah, photo de famille, ça. C'est quoi ce bruit? À mon avis, quelque chose, quelqu'un ou quelque chose qu'on ne devrait pas déranger, hein, mais bon. Détecte. Ah tiens, il me détecte, MDR. J'ai rien oublié avant non. C'était bien cloué cette trappe, hein. Qu'est-ce que c'est que cette chose? Tu sais que ça fait mal? Désolé, t'avais l'air d'avoir très envie de parler. Perspicace, Seigneur. Et t'as pas une clé? Eh non, je tiens à ma santé. Ah, ok. Tu peux me détacher au moins? Oh, mais manquez plus que lui! Vous êtes qui? Restez où vous êtes! Si, seigneur. Bon, on nous a injecté quelque chose, je ne sais pas ce que c'est, mais bon, on va le découvrir. Hein. Alors, mode de jeu standard, on a eu le... Attends, je sais plus si on a eu le châtelain, je crois que je l'ai oublié. Faudra que je revienne ici pour me le faire, le châtelain. Merde, bon, pas grave, je le referai, je pense qu'il sera encore là. Bon, on a eu 82,8% de précision, ce qui est pas mauvais du tout. Donc, ouais, 44,5, 40 minutes standard, 19 attaques subies, j'en ai eu un petit peu moins qu'avant. Voilà, j'espère que ça vous a plu ce premier chapitre. On se dit à la prochaine pour la suite de l'aventure Resident Evil. Ciao, ciao.